amis. Et le monde va pas verra. Cosa da te mani, va mani. Oh,
Je suis le professeur Beka Ifal. Donc, je suis responsable du service de biologie de l'hôpital, donateur du comité PCI de l'hôpital, prévention et contrôle de l'infection. Je vous rappelle que le COVID-19, c'est une pathologie qui se transmet de façon très rapide, qui est due à un virus, le SARS-CoV-2. Cette transmission rapide fait que si on ne fait rien, on peut passer très facilement de 400 cas actuellement à 1000, voire 10 000, voire 20 000. Ce n'est pas pour faire peur qu'on le dit. C'est ça qui risque de se passer si les mesures ne sont pas respectées par les populations. Et le masque rentre dans le cadre de ces mesures-là. Parce que la transmission se fait essentiellement de façon aérienne. Surtout par les éternuements de la personne qui est atteinte, par la toux, mais également lorsque la personne parle fort. La personne touchée qui éternue, tousse ou bien qui parle fort devant vous, si vous êtes à une distance proche, moins de 1 mètre, ou bien même si vous êtes à une distance un peu plus éloignée, mais dans un endroit confiné. C'est pour cette raison que la toute première mesure, ce n'est pas les masques, c'est d'éviter les attroupements, que tout le monde respecte la distance. C'est la mesure de loin la plus importante. La transmission se fait sous forme de gouttelettes, on l'a dit et répété. Ces gouttelettes-là, généralement, tombent au sol avant d'atteindre la distance de 1 mètre. Ouais, Gama! Ah, bon, voilà, mais n'en est pas dans le Gama de Koro. Attends, bon, t'es toi comme il y a Corona gris. Donc, on va voir, il y en a pas de coup dans l'eau. Coronavirus. Ah, coronavirus. Donc, on va voir, il y en a pas de coup dans l'eau. On va voir, Voilà. Voilà. Ah, Agnala.